Au mépris d'une logique apparente, nous avons commencé l'émission par sa fin, car c'est en guise de conclusion à l'enregistrement que Pierre Fournier a modulé sur son violoncelle cette sarabande d'une suite de Bach pour cello solo. Cette plainte dont Alain dit qu'elle n'est pas agenouillée, mais relevée au contraire et regardant au loin dans les perspectives jumelles du souvenir et de l'espérance. À présent, remontant le cours de la journée, voici le moment où Pierre Fournier va répéter avec l'orchestre de chambre de l'ORTF sous la direction d'André Girard un bref passage du concerto en la mineur de Saint-Saëns, le juste nécessaire pour nous rappeler qu'en matière d'art, la perfection naît de l'acharnement, de ce dernier effort qui, selon Chopin, efface jusqu'aux traces de l'effort. Dans les corps passants qui est de sol, là, sur les nids. Vous n'avez pas une double barre, là? Bon, faites-moi haut. Allez, haut. Perdons pas de temps. Haut. On a adoré. Haut. Bien généreux comme sonorité, n'est-ce pas? Nous sommes arrêtés. Oui. Je vais cette brève répétition, disons cette mise en train étant terminée, nous avons admis le public sur les gradins d'Auditorium 101 à la maison de l'ORTF. On dirait des élèves venant écouter un maître. Pierre Fournier va interpréter un concert de Couperin le Grand, transcrit pour cello et orchestre par Paul Basley. Ce concert est en fait une suite qui enchaîne 5 morceaux, prélude, sicilienne, tromba, plainte et air du diable. Qui dira après cela que la musique classique française est sévère? Voici la réponse de Couperin qui vécut sous le règne du roi Soleil et l'illustra de chef-d'œuvre. Thank you.
Après un noble prélude et une sicilienne au rythme balancé, voici une tromba pleine de vie et d'allant. Cette plainte, maintenant, fait dialoguer superbement le cello et l'alto. Les violonistes ont le tri du diable. Les cellistes, eux, se contentent de l'air du diable.
c'est une très jolie manière, avec une petite année de retard, ce qui n'est pas grave, de célébrer le tricentenaire de François Couperin le Grand. Pierre, est-ce que c'est une pièce que vous jouez souvent à travers le monde? Je le joue principalement dans des récitals que je donne avec des orchestres de musique de chambre. Et il m'arrive aussi de temps en temps de commencer un récital avec accompagnement de piano, car il y a une réduction de piano pour ces pièces en concert. Vous aviez commencé le violoncelle à quel âge? J'ai commencé le violoncelle à l'âge de 9 ans. Vous savez, j'avais commencé les études de musique en jouant du piano, mais j'ai été frappé par la polio et par la suite, je n'ai pas pu jouer de piano parce que je ne pouvais pas utiliser les pédales. Donc, par un instinct absolument extraordinaire, mes parents m'ont mis au violoncelle, position assise. Et c'est ainsi que j'ai pu développer, dès mon plus jeune âge, l'étude du violoncelle. Vous avez éprouvé une très grande facilité d'emblée ou non? Non, vous savez, je travaillais plutôt un peu en amateur. C'était pendant la Première Guerre. Et c'était un dérivatif merveilleux, naturellement. Mais quand j'ai mis le doigt dans l'engrenage, c'est-à-dire quand je suis rentré au conservatoire, alors je me suis pris plus au sérieux. Et après ma sortie du conservatoire, je dois vous dire que j'ai eu de maintes expériences, car je ne pensais pas du tout à la carrière de soliste à ce moment-là. J'ai eu le privilège de faire beaucoup de musique de chambre. J'ai fait de l'orchestre, j'ai fait du métier, enfin une somme d'expériences dont je ne regrette aucune. Pierre, qu'est-ce que vous appelez faire du métier? Eh bien, faire du cinéma muet, par exemple, se mettre dans une fosse d'orchestre alors que le cinéma est encore muet et changer de partition toutes les 30 secondes, vous comprenez, selon les images qui se déroulaient devant nos yeux. Et toutes ces expériences ont donné une certaine souplesse et une grande habileté à lire les partitions. Et je crois que c'est un métier qui est perdu maintenant, mais qui était très nécessaire pour acquérir justement cette espèce de virtuosité de lecture. Et quand êtes-vous entré alors dans la carrière de soliste? Eh bien, c'est au début des années 30, 32, 33. Et j'ai fait beaucoup de musique de chambre aussi. C'est ce qui m'a beaucoup permis d'élargir mon répertoire, car je préconise toujours avec ceux qui me font confiance et qui travaillent avec moi de faire beaucoup de musique de chambre, car c'est en faisant de la musique de chambre qu'on apprend à jouer en écoutant les autres. Et cette qualité, au fond, vous suit toute la vie et vous permet de vous adapter avec n'importe quel musicien que vous rencontrez au cours de vos voyages, c'est-à-dire n'importe quel orchestre que vous ne connaissez pas. Et puis, je mène de front aussi la carrière de professeur, car je trouve que la pédagogie, comprise dans le plus haut sens du mot, vous apprend toujours quelque chose à soi-même. Vous avez été professeur au conservatoire? J'ai été professeur pendant 8 ans au conservatoire. J'ai démissionné parce que je commençais à voyager trop et je trouvais, au fond, pas très honnête de garder une position en la quittant perpétuellement, vous comprenez, et de ne pas s'occuper suffisamment de ses élèves. Pour ma part personnelle, je crois plutôt qu'il vaut mieux consacrer une période de chaque année au professorat. C'est pour ça que maintenant, chaque été, je vais consacrer du temps à une classe supérieure de violoncelle qui groupera autour de moi des éléments choisis, mais qui m'apporte beaucoup de satisfaction personnelle. Nous allons vous demander de jouer une sonate de violoncelle, naturellement, et de piano de Beethoven, qui est la sonate en ut majeur, opus 102. C'est la première des deux, je crois. Oui, c'est la première des deux. Jean Fonda, voulez-vous venir ici? Voici donc la sonate en ut majeur de Beethoven. Elle date de l'année 1815. C'est une œuvre toute intérieure, poignante même, qui s'ouvre, faite assez rare en somme, sur un mouvement lent. Et si l'entente est bonne entre les deux partenaires, c'est parce que, je vous le dis à l'oreille, il s'agit du père et du fils. Thank you.
Est-ce que c'est vous qui avez souhaité qu'il joue avec vous, ou est-ce que... Bon, nous sommes rencontrés à mi-chemin, vous savez. Non, c'est un hasard de circonstance, car il m'a dit, veux-tu faire un grand voyage avec moi? Je dis, naturellement. Mais pour jouer, je veux dire, ça c'est très dommage. Et c'était dans l'Afrique du Sud la première fois en 62. Et comme le résultat n'a pas été trop mauvais, alors nous avons commencé à jouer, ça fait beaucoup de neige. Et nous avons maintenant... Et nous enrichissons notre répertoire de sonates avec la plus grande... Mais quand vous travaillez ensemble, vous oubliez complètement qu'il est votre fils? Absolument. Vous le traitez comme un pianiste? Absolument. Bon. Mais vous avez fait donc très souvent équipe avec votre père. Pas ça. Équipe de sonates, simplement. Équipe de sonates, seulement. Oui, nous dédions beaucoup à Beethoven. Nous avons donné l'intégrale Beethoven assez souvent. Nous allons la redonner, d'ailleurs, plusieurs fois cette année. Et puis, alors, nous donnons aussi pas mal de musique moderne, la chose de Shostakovich, Honegger, de Martinou, de Debussy, naturellement. Vous avez joué On m'accuse bien souvent à tort de ne pas aimer la musique moderne, mais j'aime la musique moderne qui est rattachée au passé et non pas les élucubrations qui sont écrites contre le violoncelle et qu'on entend malheureusement un peu trop souvent à notre époque. Il y a vraiment des choses écrites contre votre instrument? Oui. Je ne veux en citer aucune, mais enfin, je me souviens d'un certain concerto de violoncelle que j'ai entendu jouer au domaine musical, où le violoncelle jouait entre le chevalet et la tête, chose qui donnait des sons de ce genre-là, avec un archet sans crin, où on battait sur les côtés, sur le dos, enfin... Remarquez ça, comme disent les dames du monde, c'est intéressant. C'est intéressant. Non, moi je suis tout à fait pour l'introduction même de nouveaux sons, n'est-ce pas, même des sons électroniques. Ah, vous êtes servi. N'est-ce pas? Mais ce que je ne peux pas admettre, c'est que l'écriture de certains compositeurs qui se disent compositeurs actuels ne tiennent aucun compte de l'ambiance sensorielle de la musique, n'est-ce pas? Et ça devient des dessins géométriques posés sur le papier sans tenir compte au fond de certaines émotions, ni même intellectuelles, ni même de cœur, vous comprenez, et d'inspiration. Vous ne trouvez pas, Pierre, une chose stupéfiante, c'est de penser que la musique, ayant mis des siècles et des siècles à s'évader du bruit, elle y revient. Elle y revient complètement, oui. Et pour moi, c'est le retour à l'infantilisme le plus sordide. Quand je vous ai demandé, car c'est moi qui vous l'ai demandé, d'inscrire un concerto de Saint-Saëns, le concerto en la, vous m'avez dit oui. Pourquoi Saint-Saëns bénéficie-t-il, si j'ose dire, d'un tel ostracisme actuellement, d'un tel dédain souvent? C'est difficile de le dire, et pourtant j'admire beaucoup ce concerto qui a été tout de même un des concertos les plus prisés de l'école du 19e siècle, l'école du violoncelle de la fin 19e. Moi je trouve que c'est une merveille, il n'a aucun des défauts qu'on peut dans certains cas reprocher à Saint-Saëns. Il est bref, il est élégant, il n'est pas... Il est bien écrit pour l'instrument, et ce qui est encore plus utile, c'est qu'il est très bien instrumenté. Et il met en valeur admirablement l'orchestre. Je remarque qu'on n'est pas toujours les gens en leur rappelant que Mozart, enfant prodige, jusqu'à un certain point, c'était rien comparé à Saint-Saëns, qui a été beaucoup, beaucoup plus précoce, puisqu'il a su ses notes à 2 ans et demi, et qu'à 3 ans, il commençait à composer. Ce qui, évidemment, donnait quelque espoir de don. Je voudrais tout de même, avant que nous passions à l'exécution du Saint-Saëns, demander aux jeunes gens qui nous entourent si nos propos leur ont inspiré des questions personnelles, et si ces questions, ils ont désir, le moins du monde, de les formuler. Vous nous avez parlé tout à l'heure, vous nous avez dit, j'aime enseigner aux jeunes, j'aime être professeur, mais comment vous pouvez encore acquérir quelque chose à votre stade de... On apprend toute sa vie, n'est-ce pas? Je sais bien, Mon plus grand plaisir, quand j'ai devant moi et quand je donne des leçons aux disciples qui viennent me faire confiance, eh bien, c'est comme un reflet de soi-même, et je vous assure que le professorat est un enseignement perpétuel pour celui qui enseigne. Un musicien, à votre avis, qui a écrit une œuvre mettant le plus en valeur le violoncelle, dont l'œuvre a mis le plus en valeur le violoncelle? Une œuvre symphonique, vous voulez dire? L'œuvre de musique de chambre. Mais écoutez, vous savez... Parce que c'est un instrument assez ingrat, finalement. Enfin, j'essaie de ne pas le rendre trop ingrat. Oui, je sais. Comme exécutant, j'adore les suites de violoncelle seule écrites par Jean-Sébastien Bach, qui sont comme un bréviaire que tout ce qui joue du violoncelle devrait jouer un peu chaque jour. Ensuite, les sonates de Beethoven,
toute l'époque romantique, Schumann, Beethoven, Brahms, Schubert. Et dans les modernes, vous avez d'admirables compositions, que ce soit par Hindemith, que ce soit par Honegger, Darius Milhaud qui a écrit un ravissant concerto de violoncelle, Shostakovich qui a écrit deux concertos, dont le premier est un véritable chef-d'œuvre, Borislav Martinou, Francis Poulenc, enfin, vous comprenez, quand on me demande quel est le morceau que vous préférez interpréter, je dis toujours c'est celui que j'interprète au moment même où je l'interprète, n'est-ce pas? Alors, la musique est remplie de sommets, et je peux vous dire que dans le domaine symphonique, mes préférences vont au concerto de Schumann, Dvorak, Haydn, et dans une autre époque, Lalo et le concerto de Saint-Saëns que je vais jouer maintenant. J'aurais voulu vous demander si le trac représente pour vous un danger quand vous jouez Sûrement. Sûrement. Vous savez, on vous dit toujours, mais vous, au point où vous en êtes, vous ne devez plus avoir le trac. Mais vous savez, on l'a de plus en plus, c'est-à-dire qu'on arrive à le maîtriser de plus en plus, mais on est de plus en plus conscient de la responsabilité qu'on porte au bout de ses doigts, vous comprenez? Et c'est ça la forme de trac. C'est une sorte d'angoisse, n'est-ce pas, d'anxiété, mais que par un travail discipliné de chaque jour et surtout une vie très, très organisée au point de vue travail, on arrive à vaincre. Merci beaucoup. Thank you.
Marge Prokofiev. Mais vous voulez du bar, non? On peut changer. Bon. Une petite marge de Prokofiev. Une transcription d'un petit morceau qui fait partie d'un recueil pour enfants, qui s'appelle Petite Marche, de Prokofiev.